Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour du Creeper World 4 aujourd'hui et on va jouer les humains dans une map un peu classique, c'est-à-dire du nord contre sud. Le creep va commencer ici à droite et nous, à mon avis, on va s'installer là, hein, tout simplement parce qu'il y a quelques petits murs de défense et pas mal de ressources surtout, on va pas se mentir. Donc on va regarder un peu ce qu'a le creep avant de commencer. Donc déjà, il va y avoir du crimson, donc ça va nous embêter un petit peu. Tout le creep qui va passer va être beaucoup plus solide. On a des émetteurs qui tirent toutes les 4 minutes, ça va en réalité. Ah, il y a des stacks, ok, et il y a des spores, enfin des émetteurs, pardon, de 50 toutes les 0,5. Ok, ils sont pas mauvais, mais ils sont pas non plus ouf. Et un airsack toutes les 10 minutes. Parce que franchement, si jamais on se fait tuer par le airsack, ça me ferait vraiment mal. Alors du coup, on va essayer de rusher, parce que j'aimerais bien défendre là, en gros, mais il va falloir être assez, assez malin, j'ai envie de dire. On va se mettre comme ça, on va mettre un Urn Portal très vite, parce qu'en fait, je voudrais pouvoir récupérer plus de ressources le plus vite possible et construire le plus vite possible. Tac, on va mettre ça là, est-ce que... Tac, comme ça, ici. Hop, hop, hop. Voilà, et on va se faire une belle ligne droite jusque là. Tac, comme ça. Ça sera pas mal. Et l'idéal, ça serait déjà de commencer à mettre quelques petites défenses. J'ai un peu peur. Je pense que ça va être quand même un peu dommage. Est-ce qu'on mettrait pas tout de suite? Voilà, ça, on met un urn. Et on lui demande d'être tout le temps actif. Donc, dès qu'il va récupérer un peu de ressources... Ah, mais j'ai pas mis la factory. Ça risque pas de marcher. Bon, on va démarrer comme ça. On va voir. Il nous faut des mineurs. J'oublie ça. Oh là là, le déficit qu'on va avoir, ça va être horrible. Je pense que là, la première minute, notre truc, voilà, il va rien se passer. Regardez, poum poum poum, on a pris trop cher. On n'a plus de sous, mais bon, c'est pas grave. Ah, et ici, on va déjà demander tous les urns possibles. Soyez prêts, les gars, venez. On veut que vous activiez la manœuvre le plus vite possible. Alors, il y avait ça qu'on aurait pu activer aussi, mais on n'a pas de quoi les faire. Par contre, on a plein de... plein de orange, donc qu'est-ce qu'on peut en faire? On peut éventuellement bloquer un peu la ligne d'arrivée là. Si ça tient, j'allais dire c'est du génie, ça serait peut-être un petit peu prétentieux. Mais c'est pas mal quoi, vous comprenez ce que je veux dire. Ok, est-ce que t'es actif toi? Est-ce que je t'ai mis en always on? Oui. Oh, nos boucliers sont là. On va pouvoir en rajouter d'autres tourelles éventuellement, ça serait bien. Surtout, on va sur une ligne de mortier derrière. Là. Ça devrait tenir un peu. Ah bah voilà, ça c'est bien. Notre économie tient à peu près. Bon, c'est le moment, ça veut dire que c'est le moment de la mettre à mal, voilà. Il faut savoir investir dans la vie. Hein. Tac. On arrive à le repousser. Oh, ça c'est bien ça. On va prendre des urns. Oh mince. Ça se passait trop bien, c'est sûr. Ils vont tirer. Oh oh. Oh 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 oh. Alors, il nous faut un sniper là. Un petit ici, un petit ici et un petit là. Et il nous faut vite des missiles. Tac. Et tac, et on va essayer de se faire une ligne de défense là, au cas où on ait un souci. Mais je pense que c'est déjà trop tard, en réalité. Poum poum poum. Ça va tirer. 11 secondes avant les spores. Ouais, ça m'embête. J'avais un peu anticipé. Où est-ce qu'il va tirer? Allez, fais ce que t'as à faire, mon coco. Bah forcément, là où il n'y a pas de défense. Si, il y en a une, il y en a une, il y en a une. T'as des munitions, vas-y. On va te mettre un urn, même tellement on est fou. Ah. Ah. Ils m'ont snipé mes unités. Il nous faut... On a dit quoi? Un shield. Ah, c'est la panique. On va se mettre là. Voilà, histoire de bien le repousser. Et alors, par contre, tu veux jouer à ça, mon pote? Pas de problème. On va y jouer... Et on va y jouer méchamment. Tac, voilà. Et on va aller jusqu'au bout, pardon. Comme ça,
des prochains petits blobs, ils vont pas passer. Oh. Alors, on va accélérer un petit peu. Ah, il balance des œufs comme ça, lui. J'ai rien pour défendre. On va déjà se mettre une petite range de toile. Mais attends, mais comment il fait pour passer? Oh là là, non, il va me défoncer toutes mes défenses par l'arrière. Oh, j'avais pas vu, j'avais pas anticipé ça du tout. Ok, on a une zone contaminée. Envoyez les nettoyeurs. Bon, on va conquérir toute la zone, histoire de dire surtout, et de gagner un peu plus d'énergie. Oh là 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 là. Ah oui, il est vraiment rentré comme dans du beurre là-bas, quoi. Ok, on rajoute des armes. Tu nous auras pas avec ça. Et maintenant, on va peut-être pouvoir prévoir un petit côté d'attaque. J'aimerais bien, moi, des avions. J'aime bien les avions. Où est-ce qu'on aurait de la place? Bah, là-bas, mais le problème, c'est que t'es déjà en place, toi. On va se mettre là. Nos stocks sont en train de progresser en anti-creep. Ok. Bah, on va faire des bombardiers d'anti-creep. Youp. Pourquoi ils sont pas apparus ceux-là? Bah alors. Normalement, on a de quoi? Je veux un urn. Et là, on n'arrive toujours pas à repousser ce truc là en réalité. Où il vient le creep? C'est qu'il balance des œufs en permanence. Vous savez quoi, regardez, toi, tu vas te transformer en super sniper déjà. Tu vas pouvoir avoir une bonne portée de plus. Ah, nouvelle vague de tir. Oh, toi. Non, pardon, vous. Je vous veux en plein dans le tas là. Balancer la purée. On cherche pas mieux. Alors attendez, est-ce que ça c'est juste la charge? Ouais, c'est bon, c'est juste quand ils font le plein. Alors, comment ça se passe maintenant? Oh! J'ai pas un lance-missile dans le coin? Qu'est-ce que c'est que cette mauvaise blague? Et on va en profiter pour attaquer et récupérer ce bout de territoire qui nous manque. Tac, tac. On va même se mettre un ou deux mortiers derrière pour repousser ce qui reste. Ouh ! Quoi ? Attendez, attendez, j'avais pas prévu du tout ça. J'ai pas vu, c'est... C'est vraiment l'air sec qui a été jusque là. On va empêcher que ça se reproduise. Alors je suis assez étonné qu'il ait réussi à transpercer toute cette zone. Ok. Oh mais si j'ai une petite idée. On pourrait se faire déjà. Un M-Rift ici et un M-Rift là, histoire de fluidifier un peu le tout. Ensuite, on va se faire une autre runway. Là, très bien, avec juste des bombardiers classiques cette fois-ci, histoire de faire quelques dégâts. Bon, c'est pas droit, on s'en fout. Hop là. Hop là. Et est-ce que tu peux en mettre un de plus? Oui, je l'ai vu tout à l'heure, ouais. Ok, là, on va continuer de défendre un peu là-haut parce que... qu'il y a des choses qui passent. On n'en met jamais assez, hein, franchement. À chaque fois, je me dis, t'en as fait assez, là, quand même. Et là, du coup, on va installer ces petits gars, ici. Voilà. Et on va se mettre des rockets.
Voilà. Oh là, on va être bien, là. Normalement, ça devrait nous permettre d'avancer un poil. Et par contre, l'efficacité de mes bombardiers d'anti-creep, elle est nulle. On va récupérer le territoire. Et je pense qu'on va avancer d'une façon que j'utilise pas très souvent. Et on m'en parlait il y a longtemps dans les commentaires, parce que j'avais pas mal d'avance sur les vidéos Creeper World. Bah, c'est au bouclier, tout simplement. Je le fais jamais, mais là, c'est ce qui nous a sauvés, déjà. Tac, tac, tac. Si on se faisait une batterie de boucliers derrière. Genre ça. Et un escadron d'assaut. Plaf. Il y en a de partout. Ah, vous voyez, les vrais bombardiers, eux, font un peu de dégâts, quoi. Alors que ceux de l'anti-creep, réellement, j'ai l'impression qu'il se passe rien. Ah, mais après, ils sont peut-être en train de taper là-dessus. Là. Et oui, contre le Crimson, ça marche pas bien. On va vous décaler, on va vous mettre plus au fond. Non, alors surtout pas embarquer les autres copains. Ah, tout s'est activé à cause des... D'accord. Ok, donc on a du bouclier. On a plus de bouclier que ce que je pensais, et on va avancer tranquillement. En mode pas cool du tout. Tiens, tu vas avancer, tu vas aller là, toi tu vas aller là tranquillement. Et vous... La vache. Ah, il fallait juste tenir la base et activer ça. J'avais pas vu les objectifs. Oui, bon, bah nous, on va quand même aller buter le creep. Hein. On est un peu là pour ça. Oh, 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 regardez, regardez, regardez. Forcément, c'est au moment où j'avance que le creep se dit, tiens, si je balançais des blobs. Ouais, je mettrais bien, super. Voilà. Oh, vous entendez ce doux bruit de roquette qui part. Hop. J'aimerais bien qu'on avance un peu plus. Vous, on n'a pas forcément besoin de vous. On peut vous envoyer à l'avant. Oui, parce que le but, c'est pas de laisser une ligne de front classique, c'est d'avancer. Non. Ah, laissez-moi récupérer mes unités. Et c'était vous que je voulais exactement. Bon, on va se prendre comme ça. Et il fallait tenir 20 minutes de jeu. Ça s'est fait. Du coup, je comprends pas, parce qu'en fait, on a quand même, on avait fait un seul des objectifs, et on avait déjà le droit à la fin du jeu, mais là, réellement... Alors, on pourrait peut-être se faire un truc du genre... Où est-ce qu'on aurait des petits soldats tranquilles? Personne n'est... Tac. Regarde. On va faire ça. On va en rajouter devant. L'inverse de ce qu'il faudrait faire, c'est-à-dire mettre les mortiers derrière. On s'en fout, on a de la place, on est serein maintenant. Allez les cocos, faut que ça avance. Oh, le stack là par contre, quand il va exploser, ça va un peu nous embêter. Je sais ce qu'il nous faut. Il nous faut un sniper avec un boost. Regardez bien, j'ai une petite idée qui peut être rigolote si ça se passe comme je le pense. On va te prendre un urn et on va surtout te ramener à portée du reste, c'est-à-dire là. Il te faut par contre, il te faut du soutien. Bon, ça a mal se passer pour l'instant. Voilà, tant qu'il a des munitions, ça va être cool. Et là, pas besoin de faire une singularité, on va juste faire une petite conversion directe. Boum! Tes œufs sont mes œufs.
Combien il y en avait? Je sais pas, 60, 54. Boum. Et du coup, on va avancer un chouïa. Où sont mes derniers? Voilà. Bah toi, on n'a plus besoin de toi derrière, hein, parce que de toute façon, les autres ont pris le relais. Hop. Un peu d'énergie. On va se mettre un M-Rift aussi ici, comme ça au moins, ça sera vraiment solide. Et le but, ce serait peut-être d'isoler celui-là en premier. Je pense que ce serait peut-être plus jouable. Attendez. Avant ça, quand même, on peut peut-être anesthésier celui-ci. Et éventuellement même avancer ça. Pas besoin derrière. Clac. Il nous en faut un autre. Hop, on anesthésie celui-ci. Non mais franchement, moi mes airsacs sont pas aussi efficaces mec, hein. Ils vont toujours n'importe où et ils tirent nulle part. Comme quoi c'est bien quand ils veulent. Hop, pareil, est-ce qu'un petit nullifier pourrait... Avancez s'il vous plaît, vous. Oula, 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 oula. Ah. Bon, ça c'est réglé normalement. Allez, fais exploser ces œufs là. Si on le bloquait juste pour voir. Voilà, vous voyez, ça, ça bloque le creep réellement, quoi. J'ai mis très longtemps à le savoir, en réalité. Et je l'ai su parce qu'on me l'a dit. Jusque là, je me disais, bon, ça fait rien. J'avais pas fait gaffe, mais regardez, en fait, le creep ne bouge pas du tout. Tiens, on va lui faire une petite conversion, ça lui apprendra. Voilà. Et du coup, on va... Je sais pas qui... Oui, pourquoi tu viens, toi, si tu veux, mais à la limite... Oh, j'avais pas vu. Vous avez complètement oublié, cela. Tac, il nous faut vite un petit nullifier quand même, ça nous ferait pas de mal. Je crois que lui il sert à rien. Je l'ai pas construit là où il faut. Alors la suite, on avance par là. Allez, nullifie-nous tout ça là. Oui, du verbe nullifier. Hop, vous, pareil, en avant. Bon, on est pas mal, là. Bon, je crois que c'est l'heure d'un petit bombardement, là, pour le coup, là. Ça fonctionne toujours aussi bien, la pluie. Tac, et du coup, on va mettre un dernier nullifier pas loin, j'imagine. Là, il serait vraiment bien. Alors, attends. Vous, vous avancez, s'il vous plaît. Tac, tac, on va vous entourer. Et normalement, on est pas mal. Zou. On en met partout. Allez, le premier qui s'active déjà, il devrait vraiment nous soulager. Je veux pas t'activer, ça serait bien. Voilà. Plus que un avec lui. Bon, bah il est prêt.
Et voilà. Bon, bah écoutez, ça aurait été plus simple que ce que je pensais en réalité. Je m'attendais à une plus grosse vague dès le début. Bon, ça a failli mal se passer et heureusement que j'ai utilisé des boucliers, mais franchement, je m'attendais à un petit peu plus dur. En tout cas, voilà, j'espère que la vidéo vous a plu et je vous dis à très bientôt.